Ladies and gentlemen, welcome to the Marshmallow Show. Toi derrière ton écran, c'est Marshmallow. Et on se retrouve aujourd'hui donc de nouveau sur ma chaîne, The Marshmallow Show, pour une toute nouvelle vidéo sur le magnifique jeu Dragon Ball Rosetto Dokkan Battle. Et donc en l'occurrence aujourd'hui, on va s'occuper des récompenses du dernier Tenkaichi Budokai. Et voilà, le tournoi qui était génial pour moi. Oh là là, qu'est-ce que je l'ai aimé. Bref, quelle horreur. Du coup, la vidéo, elle va se passer, c'est-à-dire que là, d'habitude, j'aimais bien aller voir le top 30, patati patata, sauf que là, maintenant, on s'en fout, voilà, genre, je vais enlever ça, on va juste aller voir ma position. Ensuite, on s'occupera des invocations de l'arc-enfant, et on terminera avec les SSR garanties. Donc, j'ai terminé à quelle place? À savoir que je l'ai genre pas du tout farmé, hein, le truc, hein. Il est sorti le jeudi matin, je crois, jusqu'au mercredi matin. Jusqu'au mardi matin, enfin bref, je sais plus, il était sur 5 jours. En gros, j'ai joué que 2 jours, hein. Je sais pas, c'était trop pour moi, il m'a gavé ce truc. Donc en position actuelle, donc le truc j'avais terminé... bah attendez, on peut pas mieux voir le truc ou quoi? Général, oui bah bon vas-y, ça on s'en fout, on va juste aller voir le local, en combien est-ce que j'ai terminé? En local, j'ai terminé 29ème, donc en soi j'étais vraiment pas dans une poule qui poussait. Et le truc... voilà, final, j'ai terminé à la 45 000e place, alors que je vous ai habitué à finir dans le top 10 000 à chaque fois, mais je sais pas, ce tournoi-là, j'adhère pas avec ce nouveau système. N'ayant toujours pas de carnage, je peux pas... En gros, moi, là où je vais me faire chier à faire plus de 30 victoires, et ben un mec qui a un carnage, un faiseur nuker dans son équipe, il va se faire ça en deux fois moins de victoires, quoi. Donc en soi, ça me gave, j'aime pas ce système. Par contre, le seul truc qu'on peut reconnaître qui est quand même bien avec ce nouveau système de tournoi, c'est-à-dire qu'au niveau des récompenses, si ce n'est pour 10 millions de points et 20 victoires consécutives, on est quand même pas mal loti. Genre là, je vais pouvoir invoquer, je crois même, un poil plus que d'habitude quand je termine en dessous du top 10 000. Donc c'est vrai que niveau récompense, c'est bien. Pour les mecs qui veulent pas se faire chier, voilà, qui veulent vraiment farmer le truc sur 2 jours, c'est vraiment pas mal. Mais si vous voulez viser le haut du sommet, si jamais vous avez pas de carnage, le faiseur de cœur qui va avec et tout, c'est une véritable angoisse. Et en plus... ce nouveau système de plateau là qu'ils ont changé, je les trouve 10 fois trop grands. Enfin bref, moi perso, j'adhère pas avec ce nouveau système. Donc n'hésitez pas à me dire, voilà, histoire que je puisse avoir des retours, si vous justement vous kiffez ou si vous êtes comme moi, vous kiffez pas du tout. Bref, du coup maintenant, oui parce que là on va pas s'étaler là-dessus, hein, j'ai fait une performance de merde. Donc on va commencer avec les invocations, voilà, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc on va d'abord se faire les tickets argent suivi des tickets or. Et ensuite on se fera exactement pareil avec les SSR garantis. Ah oui! Et en plus, la bonne baisse, voilà, parce qu'on aime bien quand même genre se faire lubrifier l'anus pour bien se faire éclater comme ça. Dans les SSR garanties, on ne peut pas avoir de personnage carnage. Génial. Magnifique, allez, continuez de nous pousser à acheter. Du coup, allez, on y va. Ah oui, et je préfère le préciser aussi également, hein, pour les flemmards, voilà, qui n'ont pas la pêche de regarder entièrement la vidéo. Non, je n'invoquerai pas sur Golden Freezer. Là, on a eu grave de capsules, donc ça en soi, ça peut peut-être sentir bien ou sentir bon ou pas. Donc vas-y, là, faut me faire rêver, collègue. Alors, sur quoi je compare? Oui, bah Yamcha, notre ami Yamcha, ok, bon bah ça j'avais déjà, mais on garde, ou peut-être que j'enverrai chez Mami Baba, je sais pas, enfin dans tous les cas, ouais, c'est pas grave, hein. Moi, sur ce genre d'invocation, où en fait on a tout qui est gratos, je peux pas rager dessus, bon, sauf après, genre si sur les trucs SSR garantis, on me file des personnages que j'ai déjà eu où je risque d'avoir un petit sub, mais là sinon voilà, on va essayer d'avoir le sourire, voilà, le smile, la banane. Alors, est-ce que tu pourrais bien m'envoyer genre un petit Piccolo? Ça me ferait bien plaisir. Oh, Piccolo Daimao, mais que j'avais déjà. Dommage. Bon, au moins ça fait quand même une nécessaire. Ça du coup, est-ce que je vais augmenter son attaque spé ou est-ce que ça va partir chez Mami Baba? Je crois que les personnages du tournoi, de toute façon, ils font que 1000 points chez Baba, donc ça sert à rien, donc autant augmenter l'attaque spé. Bon, au moins on a eu du SSR, même si c'est du doublon, ça va, ça part quand même bing.
En plus, c'est bien, j'en parlais, est-ce que je pourrais avoir Piccolo? Oui, mais pas Piccolo Daimao, moi je veux mon pote Piccolo, quoi. À l'époque où il se faisait appeler dans la superbe version française, Satan Petit Cœur, Uma Junior. Allez, 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 fais-moi rêver, fais-moi rêver. Vas-y, on part sur quoi, là? Tac, 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 ok, Oulon, notre ami le cochon. Ouais, bah toi, c'est bon, toi, j'étais déjà quasiment en spédis. Attendez, je prends le clébard, là, parce que sinon... Il va me saouler, il va marcher avec ses pattes et ça va faire un bruit pour Ring. Alors, on continue. Ouais, c'est vrai que ça part vite quand même, les tickets argent. Bon, après, les tickets, on en a quand même 11, donc en soi, c'est pas Ring. Ok, 3 capes sur, allez. Allez, allez, allez. Vas-y, file-moi un peu de chance, toi, le chien. File-moi un peu de chance, enfoiros. Alors. Vas-y. Ah, la Bulma Army, ok, c'est bon, je crois que je l'ai en SP 3 ou 4, mais étant donné que voilà, c'est un personnage qui est quand même plutôt intéressant, c'est cool de leur avoir, voilà, même si en soi ça n'a pas après eu de plus-value de ouf, mais on prend, je rage pas. Bon, bah tu bouges, tu veux faire quoi, le Shing? Bon, vas-y, va sur le lit, hop. Alors. Envoie-moi un petit Piccolo, s'il te plaît. Enfin, le Piccolo qui peut se mettre en géant, ou au pire, le Sangoku. Enfin, genre les SSR que j'ai pas du tout encore... encore eu. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Nam? Ouais, bah ouais, Nam, avec sa superbe attaque, la Croix Céleste. Ouh, et bah dis donc, toi, je te voulais trop, toi. Ah, vas-y, dégage. Et dégage de ma vue. Ouais, bah allez, ça y est, on part déjà sur les tickets or. Alors, allons-nous avoir un petit peu plus de chance ou pas? Bon, même si là, en l'occurrence, sur 4 tirages, on a quand même tapé une SSR, donc ça va, en soi, c'est pas trop mal, mais là, faut que ça continue, et surtout, dans de l'inédit pour moi. Bah, la momie, hein, voilà, la momie, ouais, toi, je suis pas... Tu vas servir à augmenter... tu vas partir en entraînement sur d'autres personnages, toi, parce que là, bon, c'est... C'est pas super fantastique, là, hein, ce que tu peux me proposer. Ah d'accord, pas de capsule. Et ça se transforme, c'est dommage. Alors, on part sur quoi? Suspense. Encore la Bulma Army, enfin la Bulma Army, oui, bah oui, bah si, bikini en truc militaire, si, c'est Bulma Army, ça. Ok, bon, bah, on prend... Enfin, en plus, elle est bien stylée, cette carte, hein. j'aime bien le background. Bon, en plus qu'elle est intéressante, hein, bien entendu, mais j'aime bien aussi l'aspect esthétique de quelques cartes. D'ailleurs, dans les SSR garanties, il y en a une que j'aimerais vraiment taper de ouf. Je vais pas dire laquelle, parce que sinon, je risquerais de me... porter l'œil, mais si je pouvais l'avoir, putain, je kifferais bien. Juste un indice, c'est une carte intelligence et il y a du cheveu jaune dessus. La Bulma Lapin, ok. Bon, là, le background, il est un peu moins intéressant, mais ça va, j'aime bien. Ouais, bah, toi, j'étais au moins en SP 7 ou 8, donc ouais, bah, on va aller jusqu'à l'SP 10, hein, avant d'aller te bicrave chez Baba. Voilà, on aime bien aller au Baba Shop. Vas-y, fais-moi rêver un petit peu. Ok, il n'y a rien eu, te transforme pas... Ok, là, il y a peut-être un bye-bye, les gars. Je dis bien peut-être. Ou soit une vieille carte rare, voyons voir. Ok, bactérie. C'est exactement ce que je voulais. Par contre, là, déjà, le background, il est dégueulasse. C'est le personnage en mode grosse morve, grosse bave, ça se tient de chibre et tout. Ouais. Bah, si c'était sur Toonami, on l'aurait pas vu, hein, ce personnage-là. Hein. Je dis ça, je dis rien. Allez, s'il te plaît, envoie une SSR que je n'ai pas encore eu. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être sympathique. Putain, mais ce tournoi-là, je le conchis, hein. J'avais vraiment l'impression d'être à la mine, hein, à chaque fois. Hein. C'est une horreur. Ok, encore Nam avec la Croix Céleste. Ouais, tu commences à me saouler un petit peu à Pou, là, quand même, hein. Commence un petit peu à me saouler. Ah ouais, non, mais quand je vous dis, genre, le tournoi, genre, c'était une horreur, je sais pas, genre, j'avais l'impression de... Quand... Même d'appuyer, là, sur les... Là, il y a grave des capsules. Même d'appuyer sur l'écran tactile pour bouger, je sais pas, j'étais là, wow, c'est relou et tout, genre, j'en pouvais plus. Vas-y, il y a une nécessaire, il y a pas une nécessaire. Oui, bye bye, les gars. Allez, stop, oui. Oui. Yes. Putain, enfin, du coup, que j'avais pas. Yes. Voilà, je te voulais, collègue. Ça, c'est cool. Là, au moins, je me sens un petit peu... Non, j'allais dire, je me sens respecté. Oui, bien entendu que je me sens respecté. Yes. Parfait.
Donc il me manquera plus que le piccolo, il me semble, hein, que j'ai pas, hein, dans les SSR. Dans les SSR de l'arc enfant, mais ça c'est cool, yes putain. Voilà, quand il y a de l'inédit comme ça c'est cool. Ouais non mais parce que là en soi je suis en train de cracher sur le tournoi, mais il faut quand même se dire que j'ai eu le piccolo qui passait l'air, qui m'a été offert. Bon là les tickets de l'arc enfant, et j'ai également, j'ai 4 tirages SSR garantis, donc c'est vrai que je peux pas non plus cracher sur le truc, c'est juste que moi voilà ça m'a gavé. Après en ce moment je suis peut-être un petit peu moins hypé par Dokkan Battle aussi, donc c'est peut-être ce qui fait le pourquoi du comment, mais ceci étant je sais pas, genre le tournoi j'ai pas adhéré. Bon là au moins SSR ça va, genre je suis content, j'ai mon petit Goku puissance, c'est cool. Il y a eu peut-être encore un bye-bye, les gars. Peut-être, hein, c'est pas sûr à 100% ou... Ouais, non, ça va être une carte rare. Bah oui, le roi de Chapa. Bah, le cousin de Nam, hein, je pense. Hein. Ils sont tous les deux en veille, hein, avec le petit point rouge ici. Ok, ouais, non, non, mais ça, c'est... Ouais. Pas folichon, hein. Pas folichon des folichons. Ok, il nous reste encore plus que 3 tirages de l'arc-enfant. Et après, bah, ce sera la surprise, hein, ce sera vraiment le croisage de doigts, et puis le moment que je préfère le plus, là où le cœur, il fait... Voilà, te dire, est-ce qu'il y a moyen de choper des trucs de ouf ou pas. Alors, suspense, voyons voir sur quoi on part. Le ninja Murasaki, bon bah que j'avais déjà, et je vous le dis au cas où, hein, même si ça a déjà été dit et redit dans plein de vidéos de plein de youtubeurs, surtout lui... Ne le jetez pas, voilà, il a l'air de rien comme ça, genre, carte agilité rare, à quoi il va me servir? Non, non, vous inquiétez pas qu'il est super utile, gardez-le dans votre équipe, ce compte, c'est pour ça, moi je l'avais déjà loqué. Bon, bah là, après, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas à augmenter son attaque spéciale? En soi, je pense pas. Vas-y, petit monsieur Satan sur la gauche et tout, ça se transforme en Super Saiyan, on aime bien, nous, quand ça se transforme en Super Saiyan. Ça serait dark dans le futur, genre il y a des transformations en Super Saiyan Blue, Super Saiyan 4 et tout. Mais j'y crois pas trop. Ok, ouais, non, mais toi, mon petit collègue, ben, je crois que j'étais déjà en Spédis, hein. Voilà, commandant Blue, le célèbre stunner. Le célébrissime. Donc ça, c'est bien. J'espère que je l'ai pas en x10, mais c'est bien. Bon, bah, ben, c'est parti pour la dernière invocation de l'arc-enfant. Voyons voir ce qui va se passer de beau. Allez, s'il te plaît, envoie-moi... Ouais, non, il n'y a pas eu assez de capsules. Genre, si tu veux m'envoyer le piccolo, franchement, je serai aux anges. Vas-y, s'il te plaît. S'il te plaît. Je te le dis gentiment, s'il te plaît. Et tu m'envoies le roi de Chapa. Ok. Bon, bah, j'ai compris le message, c'est bon, c'est pas grave. c'est pas grave. Au moins, dans tous les tirages, j'ai quand même eu un SSR que j'avais pas et un autre que j'avais déjà, mais celui que j'avais pas, ok, ça me comble déjà. Donc là, on va passer, voilà, le moment tant attendu. Oui, si vous voyez que j'ai plus que 13 multi-invocations amis, c'est que, vous inquiétez pas, j'ai invoqué à fond. Hein. Bah, d'ailleurs, ça se voit avec mon nombre de zénis, hein, pour pouvoir avoir les C17 et C18 et ensuite pouvoir les passer en LR. Donc là, voilà, on va commencer par les tickets argent. Hein. Putain, en plus, il est là. Il est juste là, le personnage que je veux trop. J'en dis pas plus, j'ai pas envie que le jeu il m'entende et qu'il dise, ouais, bah, pour la peine, t'auras tout le monde sauf celui-ci. Allez, s'il te plaît, quitte à m'envoyer des personnages du tournoi, envoie-moi dès que j'ai pas déjà, quoi. S'il te plaît. Allez. Là, c'est le moment que je préfère le plus, l'après-tournoi où il y a les SSR garantis. Allez. Croisage de doigts et tout. Allez. Fais-moi rêver, s'il te plaît. Et nique ta mère. Voilà, exactement ce que je voulais pas. Un personnage que j'ai déjà eu, hein, dans un des tournois et qui pue... Ah, il pue bien sa mère, hein, lui. Ouh, ouais, lui, il pue bien sa mère. Ok, bon. C'est le premier tirage. Je vais essayer de me contenir et de ne pas trop rager. Allez, voyons voir ce que tu as de mieux à me proposer, parce que ça, c'est d'une indécence. Allez. Non, j'ai pas le point serré, bah pourquoi est-ce que je l'aurais serré? Allez.
Allez, stop-play. Envoie-moi le perso que je veux. Stop-play. Fais-moi rêver, fais-moi. Oui. Alors. Bon, j'avoue, je le voulais pas trop celui-là parce que, genre, j'avais même pas calculé qu'il était là-dedans. Mais cool, franchement, je prends. Augmente fortement l'attaque et inflige de gros dégâts. Kamehameha Kaioken x3, PV attaque plus 25% sur les types Agitech et Endurance. Ok, ça va, genre, petit SSR. Bon, elle est pas genre oufissime, mais ça va, genre, on prend. Ouais, non, bien. Ouais. J'avais pas, c'est cool. Ok, ça va. Genre, ça redonne un peu le smile après le foutage de gueule du. Du Vegeta GT qui m'ont envoyé juste avant. Ok, ça c'est cool, ouais, j'aime bien. Les derniers tickets argent avant de passer au ticket or. Allez, s'il te plaît. Allez. Allez, je sais qui je veux. Il s'appelle Sangoku aussi, c'est bon, maintenant je commence à déclarer. Allez, s'il te plaît. Non! Alors faites les choquer, faites ce que vous voulez, mais je pensais pas passer à toi. Non, ça c'est très grave, ça c'est très grave. Cet enculé, j'ai déjà en spédis. Putain, ça sert strictement à rien, voilà. Alors déjà que le Vegeta GT, ça m'a fait mal au cul, mais alors lui... Oh là là. Génial. Ok, bon, bref, allez, c'est bon. Allez, je vais pas... Allez, ouais, tant pis, ça arrive, hein. Putain. Encore pour ceux qui ont pas fait les tournois, genre, c'est cool, mais... Vas-y, allez, c'est pas... Allez. Allez, s'il te plaît, envoie-moi de l'inédit. S'il te plaît. Allez, c'est maintenant que tu dois me faire rêver. Ouais, là je le sens bien, allez, fais-moi rêver. Oui, c'est bon ça, j'avais pas, donc quand j'ai pas, je prends, ok, putain, oh putain, en plus il est badass la carte, elle est violente de ouf. Sangohan, Super Saiyan 2, enfant. J'en avais déjà un comme ça, mais qui était en agilité. Donc là, du tech, étant donné que j'ai pas une grosse équipe de tech. C'est plutôt pas mal. Attaque PV plus 25% sur le type Agitech et Endurance. Ouais, bah en gros, c'est le même délire que le Goku Kaioken que j'ai eu tout à l'heure, mais sur d'autres types différents. Kamehameha Père et Fils et inflige des dégâts colossaux. En plus d'avoir un personnage Kamehameha Père et Fils, ça pourrait me servir pour un event qui va arriver. Je sais plus lequel exactement. Ou à moins que je sois en train de dire une grosse connerie. Ou à moins que ce sera juste un rebirth avec des trucs. Ouais, bref, dans tous les cas, on s'en bat les couilles, ok. J'avais pas, donc c'est cool. Yes. Donc en soi, bah, tirage. Est-ce que je suis content ou pas? J'ai eu un SSR de l'arc enfant que j'avais pas, donc c'est plutôt cool. Là, après, sur 4 tirages, il y en a 2 que j'avais déjà. Ouais, je suis mitigé. Après, bon, en sachant que j'ai fait le tournoi que sur 2 jours plutôt que sur les 5, en soi, j'ai quand même eu de belles récompenses par rapport au peu de temps que j'ai investi, même si le peu de temps que j'ai investi m'a quand même rendu sacrément ouf. Ouais, non, mais ça va, en soi, au final, ouais, je suis plutôt content. Et je le redis encore une fois, parce que là, on est sur la bannière de Golden Freezer, pour ceux qui avancent la vidéo comme ça. Non, je n'invoquerai pas sur Golden Freezer, parce que j'en ai déjà 2 sur les 3. Donc voilà, je préfère garder mes pierres pour d'autres portails qui m'intéresseraient un petit peu plus. Bon bah écoutez, voilà, du coup, non ça va, c'était cool. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie également, comme d'habitude, pour votre visionnage. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite de mes vidéos sur ma chaîne, The Marshmallow Show. Allez, à bientôt tout le monde, ciao!